Salut tout le monde, c'est Manga Cards. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit donc du deck Card 5 Vanguard G, donc TD01 Interdimensional Dragon avec Hurricane of the Interdimensional Dragon. Donc, c'est le premier deck de la série du nouveau bloc Card 5 Vanguard G. Donc, voilà, ça c'est la decklist de ce côté et de ce côté. Alors, nouveau truc, c'est que maintenant, une fois tous les 6 decks, on peut avoir des cartes signées. Donc, du coup, avec un peu de chance, voilà. Moi, j'ai pas eu les promos. J'ai pas eu les promos. J'ai commandé sur AmiAmi, mais j'ai pas eu les promos, quoi. Qui sont avec les decks. J'ai ouvert ça en caméra et on se retrouve tout de suite après. Alors, ouais, comme je disais, j'ai commandé sur AmiAmi et j'ai pas eu les cartes promotionnelles avec. Donc, Playmat, Livre de règles, ouais. Comme d'hab. Et là, on va découvrir ensemble donc les nouvelles cartes. Donc, Interdimensional Dragon, Mystery Flare Dragon. En holographique. Donc c'est un grade 4. On avait déjà eu des grades 4 avant. Non. En fait, normalement, les nouvelles G-Unit, derrière, c'est un dos gris. D'ailleurs, je vais mettre ça sous pochette. Cette carte. Donc la version régulière. Hop. Et oh, carte signée Chronojet Dragon. Carte signée. Juste trop la classe. Oh merde. Il y en a un sur tous les 6 decks, donc un par deckbox. Enfin une carte par deckbox. Ouais, ça le fait. Oh putain. Chronojet Dragon en signé. Hop. On met ça de côté. Donc, la version régulière. Ensuite, on a Smithereen Colossus. 3, 4. Steam Knight Ubara Tutu. Ok. Une, deux. On a Smoke Gear Dragon. Ouais, avec les trucs de fumée et tout. Vraiment sympa. Une, deux, trois, quatre. Encore une carte holographique. Team Fighter Amber. Ok. Hop. Version holo. Ça. Sous pochette. Trois cartes holographiques. Ça c'est fait. Ensuite, donc la même en version règle. Twin Mother Dragon. 1, 2. Great Carapace Gear Turtle. Plutôt sympathique. 1, 2. Mazer Gear Dragon. 1, 2, 3, 4. Ensuite, Boroswing Dragon. 4. Steam Soldier's Togg. Ouais, c'est vachement clan. Ouais, Steampunk, quoi. 3. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. Gear Chronicle, c'est vraiment Steampunk, quoi. Steam Rider Burnham. Burnham.
deux fois. Ensuite, on a des Perfect Guard. Withdraw Gear Raven. Putain, en plus, il se prend des trucs là et tout. C'est classe. On en a deux. On a le starter. Gun Gear Draco Kid. Ouais, d'accord. On critique Steam Battler Dada Sig. Ça, il est cool. 1, 2, 3, 4. On draw Steam Knight Shusin. Donc, on a deux fois. On stand Stomach Clock Gear Rabbit. Il me fait délirer. 1, 2, 3, 4, bien sûr. Ouh, sympa. Steam Maiden Uluru. Oh, elle est classe. Ah, j'adore. Je dis oui. 1, 2, 3, 4. Et encore une holo en draw. Lucky Pot Draco Kid. Et on a la même. Hop. En règle. Je vais mettre ça là. Donc voilà, on fait un petit récap des cartes qui brillent. Donc on a notre Draw Trigger, le Keypad Draco Kid, Steam Fighter Amber, Mystery Flare Dragon. Et on a eu en carte signée Chronojet Dragon. Donc voilà, bah justement, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. Salut!